arrête avec ces soufflets, toi, non? Pourquoi tu fais les moineaux comme ça avec ton sifflet comme ça? On n'a pas des moineaux, non? Mais arrête de faire ça, non? Tu crois qu'on va nous prendre au sérieux en allant au tribunal comme ça, non? Arrête ça, non? Comment? Mais prends-lui le sifflet seulement, là. Firme! Non. Mais pourquoi tu as mis un chapeau haute forme, toi? Tu crois qu'on est au bal masqué ou quoi, non? Mais non, mais comment? Tu crois qu'on va nous prendre au sérieux si on vient déguiser comme ça, non? Mais oui, enlève-moi ça, non? Voilà, remets ton bonnet, ça fait plus sérieux, non? Hé, Marie-Rose! Oh, bon! Non. Mais, tu donnes à manger au petit, hein? Non, mais cache-moi cette mamelle quand même, là. Hein? Non. C'est bien qu'ici, il faut cacher les choses comme ça, non? Voilà, et bien tu prends un biberon. Voilà, donne-lui le biberon. Non, c'est, voilà, l'autre biberon là. Voilà, mais tu prends le biberon, tu mets le lait dans le biberon et tu donnes. Comment, mais non, arrête. Non, tu reviens là. Oui, je sais, mais tu ne parles pas à la police, non. Ils vont provoquer comme. Non, tu reviens seulement là. Non, mais nous avons les autorisations. Nous attendons seulement qu'ils vont ouvrir les. Non, je te dis, tu reviens. Non, mais il t'appelle, mais toi, tu ne vas pas. Tu restes. C'est le brigadier. Hein? Ah, non, mais j'ai dit, je vais lui parler comment. Vous êtes brigadier. Ah, non. Je suis Mathieu Mbilou, je suis le responsable. Mathieu Mbilou, hein. Mbilou. Nous, c'est-à-dire, je suis le responsable de la coordination des droits au logement, là, hein, pour les familles africaines dans Paris, là. Il y a trop de problèmes, parce que... Nous avons 5 minutes pour nous disperser, hein. Non, pardon. Non. Je suis en train de vous dire... Oh, comment? Non, mais nous avons les autorisations, comment? Mais oui, c'est... Non, les 25 familles, parce que... Voilà, pour les problèmes de logement dans Paris, là. Parce que nous étions dans les squats, là, rue du Dragon, là. Nous avons été chassés ce matin par vos collègues, là. Oui, non, je sais, c'est pas vous, mais... Ils ont tapé quand même un peu fort comme ça. Hein. Et c'est pour ça, maintenant, il faut s'arranger intelligemment, parce qu'il y a des familles, des enfants, des femmes, des... Et surtout, il fait froid, hein. Ah oui, dans votre pays, il fait très froid. Hein. Ouh, non. Non, mais le froid, c'est bien, quand même. Non, c'est bien, c'est un peu... Mais je suis en train... 4 minutes, hein. Non, pardon, monsieur. Non, mais comment? Je suis en train de... Je connais le droit, non? Mais oui, je suis licencié à la faculté de Yaoundé. Je connais bien mon droit. Non, je suis intégré. Je connais bien le droit français. Non. Je suis vraiment très intégré. Non. Trop intégré, moi. Je suis quoi? Ah ouais. Mais je suis en train de vous dire que nous allons voir Jida au procès de... Si on aime Jida, hein. Il demande seulement si on aime. On adore Jida. Non, mais on aime cet homme. C'est le représentant mondial des indésirables. Ah, mais oui, le peuple africain aime cet homme. Non, énormément. Hein. Moi, je veux même lui baiser les pieds. Si je le vois comme. Vous allez lui mettre une balle dans la tête. Hein. Non. Mais n'est-ce pas, Jésus a dit tu pardonneras à ton prochain, non? Ah, mais oui, mais c'est blasphémé quand même. Parce que vous avez une petite croix autour du cou, non? Ah, oui, ça, c'est la parole de Jésus, monsieur. Mais si Jésus était là, il serait parmi nous. Bien sûr, il était miséreux. Très, très miséreux, comment? Il était pestiféré, il n'avait pas de logement. Et vous l'auriez chassé comme ça, comme un malpropre. Non, attends, il ne faut pas blaguer. Je suis en train de vous dire, monsieur, que nous avons une autorisation en bonne et due forme. Je peux même la mettre dans le cul. Hein. C'est-à-dire à l'intérieur même de la personne. Hein. Non, mais comment? Il ne faut pas parler comme ça, quand même. Non, mais pourquoi vous me dites que je mets dans le cul comme ça? Non, mais c'est pas bien, il ne faut pas parler. Non, mais comment? Moi, je ne parle pas avec des gens comme toi. Pourquoi tu me dis que je mets ça dans le cul? Parce que moi, je dis... Pourquoi vous venez nous voir, nous, là? Il y a les groupes là-bas. Pourquoi vous n'allez pas discuter avec les scouts, là? Pourquoi vous venez nous voir, nous? Non, mais est-ce que moi, je dis que tu mets le bâton dans le cul? Là? Non, mais
non, c'est pas bien de parler comme ça. Il y a les enfants, il y a des personnes qui entendent comme ça. Non, non, c'est pas bien de parler comme ça. Non, mais tu peux dire une minute, deux minutes, une seconde. Moi, je reste là. Mais on va bagarrer. Si tu veux, on va bagarrer. Moi, je veux bien qu'on bagarre. Qu'est-ce qu'il affirme? Non, mais je sais que c'est perdu d'avance, non? Mais il faut montrer quand même aux petits qu'on est un peu guerrier comme ça, non? On ne va pas parler comme, partir comme des lapins comme ça, non? Ils se mettent en formation, hein? Formation, formation. Comment me dire qu'il était en formation? C'est impressionnant, hein? Très impressionnant, hein? Les costumes sont jolis, hein, quand même. Ah ouais. Quand même, vous voyez. Non, 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 formation également. Formation également. Comment on vient derrière, hein? Firmin, reviens là. On va bagarrer. Les femmes et les enfants derrière. Marie-Rose, va seulement. Petit, va avec ta maman là. Tu veux bagarrer, hein? Non, non, laisse, il va bagarrer. Mets-toi là, on va bagarrer. Quand même, ouais, voilà, avec les cuillères. Tape comme ça avec les cuillères. On va faire un peu de ça. Quand même, ouais, avec les coussins. Non, avec les coussins. Tu vas te protéger avec les coussins. Voilà, les casseroles. Maman, maman, non, la grand-mère, là. Va, repars là-bas. Quand même, voyons, c'est parti. Eh, regarde le petit. Regarde, papa. Yeah.